Est-ce que les fleurs, elles parlent? Alors j'ai testé la démo de Inquisiteur. Et c'était vraiment de la merde. C'est clair que Nintendo, ils vont pas être en galère, ils vont pas virer des développeurs. Avec les jeux qu'ils font, ça va être, ils risquent pas de virer qui que ce soit. Hein. Vu la gueule de leur jeu. Bah, je suis censé faire quoi, moi? Je peux aller nulle part. En cours d'installation. Ils vont pas dépenser beaucoup d'argent avec ce qu'ils font là. Ils risquent pas d'être dans la faillite comme Sony et Microsoft. Hein. À faire des jeux qui sont. Alors, ils sont pas moches les jeux. Hein. Mais c'est clair qu'ils vont pas coûter beaucoup d'argent à être développés, hein, ça c'est sûr. Le développement de Princess Peach, il n'a pas dû coûter très cher, surtout que. Enfin, de tous les jeux. D'ailleurs, le prochain jeu que j'attends du côté de Nintendo, il n'y en a qu'un seul, hein, c'est Luigi's Mansion 2. J'avais bien aimé Luigi's. Enfin, j'avais bien aimé. Pour un jeu Nintendo, attention, on se calme. Hein. J'avais bien aimé Luigi's Mansion 3. Par contre, j'aime pas Luigi's Mansion 1, il n'y a rien à faire. Enfin. Il y a un truc qui va pas avec Luigi's Mansion 1. D'ailleurs, il faudrait peut-être le porter sur Switch. Ou le porter, je sais pas où, sur Switch. Enfin, la Switch 2, peut-être. Parce que c'est vraiment de la merde. J'ai du mal avec Luigi's Mansion 1. J'ai vraiment du mal. C'est compliqué. Même si j'aime bien le nez de Luigi, qui bouge, qui remue comme un nichon, c'est plutôt marrant. À part ça, j'ai vraiment du mal, je sais pas pourquoi. Après, j'ai du mal avec tous les jeux, mais. J'ai testé Luigi's Mansion 1. On verra pour Luigi's Mansion 2, version HD. C'est pas un remake, c'est pas un remaster. Même si en vérité. Bah, ça pourrait s'appeler remaster aussi, hein, vu que The Last of Us, il a été soi-disant remasterisé. Ouais, enfin, faut pas déconner en dessous de la gueule du monde, mais bon.
s'appelle Luigi's Mansion 2 HD. Ce qui aurait dû s'appeler aussi The Last of Us. Hein. The Last of Us HD et pas remasterisé. Même s'il est en 1080p. Luigi's Mansion 2 il sera en 1080p aussi, je crois. Sur Switch docké, c'est pas ça? Je sais pas, ce que... elle fait combien la Switch? Elle fait du 720p ou elle fait du 1080, je sais pas. J'y connais rien sur cette console de merde. Hein. Ouais, j'ai testé aussi Inquisiteur par les développeurs, les anciens de CD Projekt. Eh ben, c'est de la belle merde ce truc. Hein. Bon, déjà, il n'y a pas de doublage français déjà. Ça... Je l'ai mis en polonais, je me suis endormi, j'ai lâché l'affaire. Hein. Je pourrais pas. Hein. Je pense que va donner ce. Enfin, je sais ce que ça va donner, c'est un jeu Nintendo, donc ça va donner pas grand-chose. Hein. Et ça va être un jeu 2D de merde où il faudra faire des trucs de jeu 2D de merde. Par contre, Nintendo m'a fait mentir. Hein. Oh putain, mais c'est aliasé. En fait, je voyais rien, j'ai la caméra, elle était super loin. Ah, je regarde de plus près, c'est complètement. Le visage de Peach est complètement aliasé. C'est aliasé. Hein. J'avais pas fait gaffe. De loin, j'étais éloigné de. Là, je me suis un peu plus rapproché et je vois que c'est hyper aliasé, alors, la princesse Peach, elle est bien modélisée, les décors sont plutôt propres, c'est plutôt joli. Mais c'est putain d'aliasé, quoi. C'est. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un jeu aussi aliasé, quoi. Rien que le dessus de la tête de Peach, on voit l'effet escalier sur le dessus de la coupe de cheveux de Peach. On voit l'effet escalier, quoi. Par contre, ouais, Nintendo m'a fait mentir après avoir vu le film Super Mario qui était. Qui aurait pu être un bon jeu vidéo. Super Mario, le film. Qui aurait pu être un bon jeu vidéo, hein. Est-ce que c'est un bon film? Sais pas. C'est un film pour enfants. C'est très beau. Voilà, c'est un très beau film. J'ai adoré le passage avec les parents et Mario. Après, bon, c'est devenu un Mario classique. Mais le passage avec la famille de Mario, c'est mon passage préféré. C'était vraiment cool. Et encore une fois, ce que je... Bon, après, quand ils vont faire le truc avec le chien, bon, c'était. Et puis bon, quand ils vont dans le monde de Bowser, enfin, dans le monde de Peach et de Bowser, tout ça. Ben, c'est du Mario classique, quoi. C'est pas très intéressant. J'ai bien aimé quand même que les deux prises. Les deux. Enfin, j'ai bien aimé l'échange entre Mario et Peach. J'ai trouvé ça cool. Cet échange, qui n'ont jamais, hein, qui n'existe pas dans les jeux vidéo, évidemment, puisque les personnages ne parlent pas, puisque chez Nintendo, on veut le faire le moins possible, hein, ces fils de pute, mais il y a un échange un peu plus profond, et on voit qu'il y a Donkey Kong qui commence à dire à Mario, vas-y, arrête de draguer la princesse Peach, espèce de trou du cul. Et j'ai bien aimé cette rivalité entre Donkey Kong et Mario, c'était plutôt cool. Mais à part ça, c'était pas très intéressant. Voilà, c'était pas très intéressant. Et ça aurait été mieux en jeu vidéo, quoi. C'était. En tant que jeu vidéo, ça aurait été cool. Là, en fait, j'imagine. En fait, pour moi, le Mario, le film, c'est ce qu'aurait pu être Mario si Sony avait racheté la licence Mario. Tout simplement. C'est exactement à ça que ressemblerait Mario si Sony avait. En jeu vidéo. Hein. C'est exactement à ça que ressemblerait Mario. Si Sony avait acheté la licence Mario et que Mario était sorti sur PlayStation 5 ou sur PlayStation 4, c'est exactement à ça que le jeu a ressemblé, comme on a pu voir avec Ratchet & Clank, quoi. D'ailleurs, on peut constater le film Ratchet & Clank et le film et le jeu vidéo Ratchet & Clank, il y a quasiment pas trop de différence entre les graphismes, hein. Tellement les graphismes de Ratchet & Clank sur PlayStation 4 étaient magnifiques. À part les animations qui étaient un peu. Ouais, mais sinon graphiquement c'était ouf. Et quand on a vu le film, bah c'était. Niveau graphique, c'était pareil. Eh ben, ça aurait pu être pareil avec Mario, sauf que bon, Mario appartient à Nintendo, et Nintendo il pense avant tout à la thune. Avant de penser à autre chose, il pense à l'argent, évidemment. Il pense pas à se dire qu'un jeu vidéo peut être plus qu'un jeu vidéo, peut être au-dessus d'un jeu vidéo. Là où il peut y avoir du gameplay et de la narration et tout ça, chez Nintendo, c'est juste gameplay, gameplay, gameplay. Et pas forcément du bon gameplay, hein, juste le gameplay, c'est tout. Alors que chez les autres, tu as du gameplay, de la narration, tout.
chez Sony, chez d'autres développeurs qui sont plus ambitieux. Chez Nintendo, c'est avant tout le pognon. Et voilà. Après, voilà, il y a des jeux, voilà, Ubisoft, t'as fait un jeu où la priorité c'est le gameplay, Assassin's Creed, mais il y a une histoire. Il y a tout ça. Une histoire pas forcément, voilà, pas très intéressante pour Assassin's, pour pas Assassin's Creed, Prince of Persia. Ok, le budget niveau graphisme, ok, mais tu sais très bien que Ubisoft a d'autres projets. Ils ont pas que ce projet-là d'Assassin's Creed. Il y a Prince of Persia. Il y a Prince of Persia en 2D, genre un Metroidvania. Ok, c'est super cool, hein. Mais à côté, ils ont autre chose. À côté, ils ont du Assassin's Creed. À côté, ils ont du Star Wars. À côté, ils ont du. Comment il s'appelle? Avatar. Voilà. Et du Far Cry. Bref, ils ont plein de choses à côté. Ils se contentent pas de faire que du Prince of Persia en mode Metroid. Voilà, ils font pas que ça. Alors chez Nintendo, c'est que des jeux majoritairement en 2D. Il y a que Zelda qui a un open world, mais c'est leur seul open world. Et il n'est pas très intéressant scénaristiquement, ça rapporte rien. Et en plus, ils ont fait un copier-coller. Bah, c'est du remplissage aussi. Puisque dans le premier Zelda, il fallait monter en haut d'une tour. Il fallait grimper tout en haut d'une tour pour activer la carte. Là, dans le nouveau Zelda, enfin l'autre Zelda qui est un DLC de Breath of the Wild, je sais plus c'est quoi son nom, les larmes de mes couilles. Cette fois-ci, il faut rentrer dans des tours. Ensuite, dans des tours, tu te fais éjecter et puis tu vas dans le ciel et là tu fais la carte. Donc c'est plus le même système, mais c'est la même chose, c'est du remplissage. Alors tu vas dans des tours et dans des tours, ça te fait apparaître la carte. Donc c'est du remplissage. Et évidemment, tu as les sanctuaires. Là aussi, c'est encore du remplissage. Bref, c'est des open world remplissage. Je sais pas pourquoi il y a des mecs qui disent que c'est pas du remplissage, c'est du pur remplissage chez Nintendo. Bref, c'est des open world remplissage. Ça t'apporte rien scénaristiquement, ça fait pas avancer Schmilblick, c'est de la merde. Comme quelqu'un l'a dit, c'est Link, il est pas en train de vivre une aventure, il est juste en train de remplir la carte, quoi. Après, tu peux avancer dans l'histoire principale, mais en vérité, tu vis rien du tout, tu vis rien d'intéressant, quoi. C'est pas palpitant pour un sou. Donc t'as du l'open world remplissage sans scénario intéressant du côté de chez Nintendo, du côté de Zelda, du côté des autres jeux, du côté de Nintendo, bah, c'est des jeux en 2D, voilà, un enchaînement de jeux 2D. Ça sera un jeu en 2D. Donkey Kong vs Mario, c'est encore un jeu en 2D. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme jeu en 2D? Mario Wonder, c'est encore un jeu en 2D. De très beaux jeux, certes, mais ça reste des jeux en 2D. Tu enchaînes que des jeux en 2D du côté de Nintendo. Voilà, c'est pathétique. Et bientôt, on sait très bien que je comprends pas cette concurrence entre Sony et Microsoft, puisque Microsoft n'a pas d'exclusivité. Et en plus, Microsoft balance ses jeux chez Nintendo et chez Microsoft. Donc il n'y a pas de concurrence. J'espère pourquoi les gens veulent absolument qu'il y ait une concurrence entre Sony et Microsoft, alors que Microsoft balance tous ses jeux. Balance tous ses jeux, que ce soit sur PC, que ce soit. Alors, Sony aussi le fait. Mais Sony ne le fait pas Day One. Nintendo, Microsoft, Sony, il le fait pas Day One, alors que putain, ça m'a fait peur. Alors que Microsoft le fait Day One, il sort ses jeux Day One sur PC. Donc, je comprends pas très bien pourquoi les gens veulent absolument qu'il y ait cette concurrence. Je veux dire, à partir du moment que la Xbox One est sortie, tu pouvais avoir tes jeux sur Xbox One, enfin les jeux Microsoft sur Xbox One et sur PC. Donc encore une fois, la Xbox One sert pas à grand chose à partir du moment que tu as un PC convenable. Et forcément, tu vas forcément t'acheter un PC, quoi. Tu vas pas perdre ton temps à t'acheter une Xbox One. Sauf si t'as pas les moyens. Mais si t'as les moyens, tu t'achètes un PC, quoi. Tu perds pas ton temps avec une Xbox One. Ça sert à rien, une Xbox One. Bon, sauf pour l'émulation. Pas l'émulation, mais sauf pour les jeux 360. Ou PS3. Hein. Là, c'est bien, mais enfin, 360, me connaît. Bon, il y a l'émulation. Moi, j'ai pas encore testé l'émulation PlayStation 360, mais un jour, faut que je teste sérieusement parce qu'il y a des jeux que tu ne peux avoir que en émulation. En tout cas, pour l'instant, du côté de Nintendo, c'est voilà, ils se font vraiment pas chier. Nintendo, voilà, c'est toujours les mêmes jeux qui ressortent, les mêmes licences qui ressortent. Les gens, c'est un peu le doudou chez Nintendo. Voilà, c'est. Parce que entre-temps, il y a eu Sega qui a disparu. Ils ont peut-être pas envie que ça se fasse pareil avec Nintendo.
Ils n'ont pas envie que Nintendo disparaisse comme avec Sega, donc ils préservent Nintendo, voilà, ils caressent les coups de Nintendo, je ne comprends pas pourquoi. J'aurais tellement aimé que Nintendo disparaisse. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas faire des jeux, mais qu'ils fassent plus de consoles, quoi. Et même à la limite qu'ils fassent des consoles, mais qu'ils les sortent sur PC. De toute façon, ça change rien. Ça change rien. Les jeux sont déjà sur PC. Pourquoi ne pas les mettre officiellement sur PC? Alors oui, il y a un mec qui a fait l'émulateur et qui va payer de l'argent à Nintendo, mais tu crois vraiment que ça va arrêter les gens? Sérieux? Tu crois vraiment qu'en demandant à un mec de payer Nintendo, tu crois que ça va arrêter les gens, les émulateurs? Les mecs qui font de l'émulation, tu crois que ça va vraiment les arrêter? Peut-être que oui, hein, j'en sais rien. Peut-être que le mec il va être en PLS et ça va l'arrêter, mais moi j'y crois pas trop. Hein. Je crois que les mecs sont tellement déchaînés et adorent tellement l'émulation, adorent tellement la technologie et tout ça, que ça va pas les arrêter, quoi. Mais je me trompe peut-être, on verra. Peut-être que ça va les refroidir. Et qu'ils vont arrêter d'émuler les jeux Nintendo. Mais à un moment donné, si les Nintendo font des jeux claqués au sol avec des graphismes qui datent de la PlayStation 2 ou de la PlayStation 3, forcément qu'ils vont être émulés, vos putains de jeux. Et en plus, ils se sont plus précipités à émuler des jeux Switch qu'à émuler des jeux PlayStation 3 et 360. Faut le faire quand même. Hein. Et de façon assez efficace, hein, les mecs. Hein. Il y a quand même des jeux Switch qui sont sortis 2 semaines avant Metroid. Il est sorti une semaine avant ou 2 semaines avant la sortie officielle. Une semaine avant la sortie officielle. Zelda, les machins du temps là, les larmes de mes couilles là, le DLC de Breath of the Wild, il est sorti une semaine avant la sortie de machin. Donc les mecs, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils sont déchaînés. C'est des malades mentaux. Hein. Les émulateurs, ceux qui font de l'émulation, c'est des fous furieux. Et en plus, ils font des jeux plus beaux que sur Switch. Donc à un moment donné, surtout qu'il y a la Steam Deck et tout ça, enfin je sais pas, à un moment donné, Nintendo, arrêtez d'être des fils de pute et sortez vos jeux sur PC. C'est vous le problème, c'est Nintendo. Je comprends pas pourquoi les gens soutiennent ces fils de pute, quoi. Vos jeux sont claqués au sol, même un PC à 500 € pourrait faire tourner facilement vos jeux. Si ça sortait évidemment officiellement sur PC, les jeux de Nintendo, et puis franchement. Il y a des gens qui attendent la Switch 2, mais pourquoi faire? Pour jouer à des jeux en 2D? Vous voulez une Switch 2 pour sortir, pour jouer à des jeux en 2D? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Ce qu'il leur faut chez Nintendo, c'est un concept. C'est pas une console plus puissante, c'est un concept ce qu'il leur faut. Un nouveau concept. Là, le concept était tout pourri, mais ça a marché, les gens ont kiffé, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'on sait très bien que tout le monde a un portable. Sortez des jeux sur portable, sortez vos ce jeu-là, des jeux Nintendo, Mario Wonder, tout ça, sortez-les sur portable. Les gens, ils ont tous leur portable à la main. Personne n'a de Switch, hein. Personne ne sort dehors avec leur Switch. Ils ont tous leur Switch à la maison. Alors que leur Switch portable ne sert strictement à rien. Cette console ne sert à rien. Tout le monde a un portable. Ils seraient contents de jouer sur leur portable, leur téléphone portable, à des Mario Wonder, à des Peach Showtime de mes couilles. Il serait bien plus intéressant que jouer. Voilà, cette console ne sert à rien. On fait croire que voilà, il n'y a pas un pécno qui sort dehors avec sa Switch. Personne ne sort dehors avec sa Switch. Ça n'existe pas. C'est des conneries. Personne, tout le monde a son portable à la main. Personne n'a de Switch. C'est des conneries. Donc ça a marché, je ne sais pas pourquoi. Ça a tout cartonné. Je ne sais pas pourquoi. La Switch, c'est juste une Wii U inversée. Avant, c'était une console de salon qui faisait console portable. Maintenant, c'est une console portable qui fait console de salon. Le concept a juste été inversé et ça a tout cartonné. J'ai pas compris. Je ne comprends pas. C'est une anomalie. Ça n'a aucun sens. Ils se sont contentés de refaire la même chose, mais inversement. Ils ont inversé le concept. C'est tout. C'est débile. Ce qui est débile, c'est que je ne comprends pas pourquoi ça a motivé les gens à acheter. Peut-être que c'est juste le nom. Avant, ça s'appelait une Wii U. Donc les gens n'avaient pas compris que c'était une nouvelle console. Et ensuite ça s'appelait une Switch. Ah bah c'est une nouvelle console. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Les gens n'ont pas compris qu'en fait au début c'était pas une nouvelle console. C'était une nouvelle console. La Wii U, les gens pensaient que c'était juste une Wii avec un U derrière. Bah et dès qu'ils ont entendu que c'était une Switch, ils ont dit ah oui, ok, c'est une nouvelle console, ça s'appelle la Switch. Enfin ça n'a aucun sens. Je comprends pas la logique. Et je sais pas si. J'espère vraiment qu'un jour Nintendo va se casser la gueule. Parce que le concept du motion gaming. On a bien vu que c'était des conneries. Depuis quand aujourd'hui le motion gaming cartonne? Tout le monde s'en fout du motion gaming. Qu'on me sorte un truc du genre, ouais, mais à l'époque, si la Wii a fonctionné, c'est grâce au motion gaming. Aujourd'hui, qui en a quelque chose à foutre du motion gaming?
On a quelque chose à foutre de ce putain de motion gaming. Il n'y en a même plus sur la Switch du motion gaming. Viens pas me péter tes couilles avec ton motion gaming de merde. Ensuite, oh, si la Switch elle a marché, c'est parce que c'est une console hybride. Elle fait console de salon et console portable. Mais personne ne joue à la Switch dehors. Personne ne joue à la Switch. Ils ont tous un portable. Tous les gens ont un portable. Qu'est-ce qui reste faire chier à sortir de chez eux avec une grosse Switch de mes couilles? Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas pourquoi cette console a marché. Je ne sais pas, mais c'est pas pour ces arguments. Il faut un concept qui fasse croire que c'est excellent. Alors qu'en fait, ça n'a aucun intérêt. Je sais pas. Les mecs, ils prennent du temps à sortir une Switch 2. Mais c'est quoi l'intérêt de sortir une Switch 2? La puissance, mais pourquoi foutre? Là, franchement, à part l'aliasing, le jeu est beau. Tu vas te retrouver avec des jeux comme ça sur Switch 2? Quoi, en 4K? Pourquoi foutre la 4K? Ça servira à quoi la 4K pour ce genre de jeu? C'est pas des triple A ces jeux-là, c'est même pas des double A. C'est des petits jeux vite fait, des petits jeux 2D. Je sais pas, il est pas beau, il est pas moche le jeu, il est bien maîtrisé, il y a la technique derrière. Mais ça reste un jeu, tout ce qu'il y a de plus classique, je veux dire, c'est pas une claque graphique, c'est un jeu très joli, sans plus. Enfin, c'est pas, voilà quoi. En quoi Nintendo te sort des jeux comme ça? En quoi ils ont besoin d'une Switch 2? S'ils n'ont pas un nouveau concept, un concept qui fait faussement novateur, alors qu'on sait très bien que ni la Switch ni la Wii étaient des consoles novatrices, mais si il leur faut un nouveau concept qui fasse bander les fanboys Nintendo, il leur faut un nouveau concept, et pas une nouvelle console. Enfin, il leur faut une nouvelle console qui fasse concept, nouveau concept, un nouveau truc qui fasse « Waouh, regardez, ce truc, c'est trop fort ce que fait !» Parce que franchement, à part ça, je vois pas quoi. Encore une fois, à quoi ça sert de sortir une console plus puissante pour avoir des jeux comme ça? Ça sert à quoi? Moi, je dis encore une fois, le concept, ça serait de sortir des jeux sur PC. Voilà. Ça serait d'arrêter de casser les couilles et sortez vos jeux sur PC. Au moins, vous les aurez en 1080p sans prise de tête. Hein. C'est tout. Vraiment en mode propre, lisse. Voilà. En plus. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi les gens s'obstinent à garder Nintendo en vie? Débranchez Nintendo, quoi, et faites-les devenir des constructeurs. Mais là, ce qui est triste, c'est que c'est Microsoft qui va devenir. Faites-les devenir des éditeurs, c'est tout, plus des constructeurs. Mais si ça continue, alors je pense pas, hein, je pense que ça ira pour Microsoft, mais c'est Microsoft qui n'a plus d'exclus. Là, Microsoft a sorti ses deux jeux, Grounded et Hi-Fi Rush. Ça, c'est des jeux qui appartiennent à Microsoft. Ils se sont fait chier à dépenser de la thune chez Bethesda pour avoir des exclusivités. Et ensuite, ils vont donner ça à Sony et à Nintendo. Pourquoi ils font ça? Je veux dire, est-ce que t'as Nintendo ou Sony qui leur donne des jeux à Microsoft? Bon, à part Sony qui donne des jeux au PC, c'est normal. Le PC, ça prend tout. Mais pourquoi Microsoft donne ses jeux à Nintendo? Il n'y a même pas d'échange. C'est pas genre, ouais, on vous donne des jeux, vous nous donnez des jeux. Non, non. C'est Microsoft qui se contente de donner des jeux à Nintendo et à Sony. Je pense pas que Microsoft n'aura plus de console à. Voilà. Je pense que Microsoft, ils ont. Je sais pas. Mais entre Nintendo, que de toute façon, en fait, qui ne dépense pas beaucoup d'argent pour développer leurs jeux, c'est pas avec des jeux comme ça que tu vas dépenser une tonne de thunes. Il n'y a que Sony qui dépense beaucoup d'argent et qui est obligé de balancer leurs jeux sur PC parce qu'ils ont des jeux très ambitieux et aussi qui sont très clivants. Hein. C'est clair qu'avec un jeu comme Peach de mes couilles, des jeux qui tournent autour du Mario, on donne aux gens ce qu'ils veulent. On les fait bouffer ce qu'ils veulent. Hein. On leur donne ce que les gens veulent. Voilà, tout simplement. Alors que chez Sony, des fois, on leur donne pas ce qu'ils veulent et les gens ne veulent vraiment pas. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec The Last of Us Part 2. Les jeux, ils voulaient pas ça, quoi. Ils voulaient pas ça. Mais c'était couillu de la part de Nintendo, de Sony de faire ça. Mais les gens ne voulaient pas. Parce que les gens, ils préfèrent se masturber sur les mêmes conneries en boucle, comme des fils de pute. Et voilà, ça vole pas au chez eux. Donc, alors que chez Nintendo, on se tape toujours du Mario, du Zelda, du Pokémon. Mario, Zelda, Pokémon, Mario, Zelda, Pokémon, Mario, Zelda, Pokémon, Mario, Zelda, Pokémon, en boucle. Et c'est ce que veulent les gens, on leur donne la merde qu'ils veulent quotidiennement, sans chercher à ce que ça leur secoue un peu. Et dès que ça secoue du côté de Sony, avec du Ghost of Tsushima, nouvelle licence, hein, du Returnal, nouvelle licence, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Comme j'ai dit, The Last of Us,
qui n'est pas une nouvelle licence, mais il n'y en a eu qu'un seul, The Last of Us. Hein. Je t'en passais, il n'y en a pas une tonne, hein, qui est sorti en 2013. Donc c'est une sorte de nouvelle licence. Elle est toute fraîche, la licence, parce que c'est pas une vieille, vieille licence. C'est un, une surtout, c'est un, disons que c'est, il y a eu un écart énorme entre le premier The Last of Us et le deuxième, quand même. Faut pas oublier. C'est pas comme si c'était un jeu ou avec une tonne d'épisodes. Hein. C'est pas comme s'il y avait 8 The Last of Us et là on t'en fait un neuvième. On n'est pas dans une Assassin's Creed, hein, ou dans des jeux Nintendo. Donc voilà. Où, et ça, et dès le deuxième épisode, ça bouscule tout avec la mort de Joël. On n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil dans les jeux Naughty Dog, dans les jeux Sony. Et des fois, on peut te faire. Et il faut pas oublier, il y a aussi une nouvelle licence du côté de trucs. Il y a eu Bloodborne, qui est une nouvelle licence. Il y a eu The Order, qui est une nouvelle licence. PlayStation 4, qui n'a pas fonctionné. Il y a eu Knack, qui est une nouvelle licence. Les gens n'ont pas aimé, mais c'est une nouvelle licence. Il y a eu Death Stranding, qui est une nouvelle licence. Je crois que. Je ne sais pas si le jeu appartient à Sony ou appartient à Kojima Productions, mais ça reste une nouvelle licence, éditée par Sony. Stellar Blade, qui est une nouvelle licence, c'est édité par Sony. Ok, certes, ça n'appartient pas à Sony, je ne sais pas, mais c'est une nouvelle licence, éditée par Sony. Rise of the Ronin, une nouvelle licence qui appartient aussi à Sony. J'ai apprécié, c'est une nouvelle licence qui a été éditée, pas appartient à Sony, mais qui a été éditée par Sony. Donc Sony édite des nouvelles licences. On peut pas dire le contraire. Ce qui n'est pas le cas de chez Nintendo, qui se contente de se branler les couilles sur du Mario, Zelda, de temps en temps du Pikmin, de temps en temps du Metroid. D'ailleurs, ces fils de pute avaient promis un Metroid. Alors moi, je m'intéresse pas à Metroid. Metroid Prime 4, mais on est en 2017. On est en 2024, il n'y a toujours pas de Metroid Prime. Mais sinon, Nintendo, c'est pas des gros enculés de leur race. Hein. Bref. Je comprends pas pourquoi les gens soutiennent ces fils de pute. Hein. C'est les pires merdes de tous les temps. Ils ont sorti le dernier Zelda, ils l'ont sorti à 80 euros. 70 euros. 70 euros cette merde. 70 euros cette merde. Allez vous faire enculer, quoi. Putain. Je l'ai même pas, je m'en bats les couilles. Ouais, je me suis dit, c'est pas parce que dans le film Princesse Peach est devenue forte que ça veut dire qu'on va avoir un jeu avec Peach où Peach sera forte. Bon, bah on a Showtime. Bon, on verra.
Yay!
Hein?
D'accord. C'est ce que je fais. Ah.
D'accord. C'est un bon jeu pour les petits, ça. Pour les petites filles. Les petites filles. Un bon jeu pour les petites filles. Bon bah c'est fini. Je parie qu'ils sont, ils ont fait le jeu juste après la sortie de Super Mario. Ça a dû leur prendre 2 secondes à faire. Hein. Ils ont développé ça 2 secondes après la sortie du film Super Mario. Ça leur a donné une idée. Ça fait, tiens, si on faisait une princesse rebelle. Voilà, terminé. Ils ont torché ça en 2-2, quoi. Peach time. Ah merde. Thank you.
Ouais. Oh, le foutage de gueule. À moins que c'est pour la démo, mais si les niveaux sont si courts que ça, c'est chaud quoi. €40, tu vas torcher le jeu en claquant des fesses quoi. Que tu branles, meuf. Quoi, elle marche comme ça? Elle marche comme une française, c'est ça? Ben, d'accord, ok. C'est un mini-jeu maintenant. J'ai réussi en faisant de la merde. Ah.
J'ai envie de gerber. Il y a trop de dialogue. C'est un jeu entièrement en anglais avec des tas de dialogue. Là, il n'y a pas de dialogue, donc bon, forcément, on s'en bat les couilles. Les petits vont adorer, hein. Les petites filles vont adorer ce jeu pour petites filles. Voilà, voilà. Un bon jeu pour petites filles. Pour petites princesses. Bon, ok.